Hey, salut à tous, c'est Sébiol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 11 de Prince of Persia. J'ai avancé un petit peu en live. On avait tout ça à faire. Cette partie-là qui était assez casse-pied. Ici. Et donc j'ai avancé pour me retrouver à tout faire coïncider. Du coup, on va continuer l'aventure. On était censé grimper. Salut Sardon. On va voir la carte, voilà, tout à fait. Prête-moi ton œil du vagabond, je vais y rajouter. La tour du silence, et donc ça donne. Oh là là là, ça va encore donner un sacré truc, hein. Putain. Parce que là, je vais devoir aller là, et à mon avis, on va se taper ici, et ça va être la fin. On a quand même pas mal avancé, hein, sur la carte. Il y a quelques petites zones que j'ai pas faites, mais ça vient bon, ça vient bon, tout doucement. Salut Sardon. Tu as fait une nouvelle découverte? Roi Darius, roi des rois, repose au sein de la tour du silence. C'est ici que reposent de nombreux rois et reines. Même les dieux viennent s'y recueillir. Ok. Ok. Lui, j'ai vu qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait quelque chose là. C'est casse-couille. Ça va être fermé. C'était sûr. Quelque chose a fait. Ah, c'est bon. Tout ça pour un coffre. Ok. Oh yeah.
récupérer un petit objet. Et là, je suis bloqué. Ouais, ok. Je suis bloqué des deux côtés, en fait. Bah, tant pis. C'est comme ça. Alors, quel côté on va choisir? On va les visiter par là. Ah bah non, on va pas les visiter. Tu vas me dire que je peux pas y aller là? Attends. Problème là. Un petit arbre, s'il vous plaît. Bon, bah la porte ne s'ouvrira pas tant que j'ai pas. C'est ça? Mais là, je peux descendre, au fait. Alors, je peux monter là aussi. Ah. Il est là, je suppose. Bah c'est le premier truc, c'est ça? Ouais. Et là, je peux monter là, hein, normalement. Finir par là. Ok. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Ça va être le deuxième.
Ok. Ah non. Il me saoule ces trucs. Putain, va te faire foutre! Ok. Putain. Mais quelle burne! Oh là là! Et des fois, je me tarterai, je te jure. C'est bizarre que j'ai pas eu le deuxième. Aïe! T'es sérieux toi? Ok, let's go. Alors je comprends pas où est le troisième du coup. Où est-ce qu'il serait le troisième? Parce que là je ne peux pas y aller. Attends. Je me souviens plus. Ok là non. Ouais, je suis bloqué. Ce serait là alors.
Faut que je trouve. Parce que là, je t'avoue que. Ah là! Ah ouais, ce serait ça alors. Ok. Ouais, j'ai eu du bol. Oh putain! Pour le coup, j'ai eu du bol. Petit bâtard. Ok. Ah, ça y est, c'est reparti. Là, je peux descendre pour aller faire le raccourci. À mon avis, elle est en haut, hein, le truc. Attends, je vais essayer. Si je me sers de ça. On est bon, on est bon, on est bon. Par contre, là, en revanche, on n'est pas bon. Ah, merde! Putain, c'est chaud! Honnêtement, je vais pas me faire chier. Pour une pièce, comme je suis pas dans la complaisance et dans le 100%. Tu me les casses, ça. J'en ai deux là.
Bah ça c'était sûr, hein. Suis pas assez rapide. Puis là, le truc, c'est qu'il me reste plus beaucoup de vie, hein. On y est arrivé. On a sonné les trois cloches, là c'est ouvert. Sauvegarder un petit peu. J'aurais pas un petit truc là. On approche de... Ah! Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Ça ne s'ouvre pas. Ah, un boss. Il y avait longtemps. Père, 30 ans ont passé et je suis toujours perdu. Vos conseils me manquent. J'aimerais avoir votre connaissance des difficultés à être un roi juste. J'aimerais avoir votre courage. J'espère que je parviendrai à être le roi que vous étiez. Puissiez-vous m'entendre et me voir progresser. Sargon, tu es venu présenter tes respects? Je suis là pour toi, Varan. Les rois n'ont pas d'amis, et tu ne me donneras pas tes pouvoirs.
Où est-ce que cela nous mène? Nos chemins se croisent toujours. Alors on se retrouvera bientôt. Encore un coup? Ah, ça va être le boss, ça va être lui le boss. Une espèce de spectre ou... Ouais. L'odeur d'un sang de traître. Roi Darius. Je savais que le jour viendrait. Oups, ça. Ok. À mon avis, il va falloir que je... Ouais. Auramazda, donne-moi la force de vaincre ceux qui veulent détruire la Perse. Si nous sommes les justes, donne-moi la tâche, le feu sacré. Wow! Je ne te laisserai pas entraver. Le destin de mon fils. Si. Je vais le tuer même, je crois. J'avais vite compris le truc. Ok. Il va nous faire un Kamehameha, lui. Ah ouais, hein. C'est quoi ce boss encore? Bon, ça va, il est pas... Petit bâtard. Oh, tu fais chier, la vie de ma mère. Qu'est-ce que t'es chiant? Mais qu'est-ce que t'es chiant? Après ça, il se calme normalement. Voilà. Non, bah il se calme ou pas? Non.
T'es chiant. Tu me les brises. T'as à me soigner juste après ça parce qu'il va encore me faire sa boule de machin là. Voilà. Le massacre. Putain, je l'ai eu juste à temps. Oh. Là, il va être fatigué, donc normalement, je vais pouvoir lui mettre une cartouche, je crois. Mais il est impossible à toucher là. Allez. Oh mais non, sérieux, c'est une putain de blague! Bon, je réessaye une fois et puis je vais aller voir sur mes pouvoirs, ce que je peux faire. J'ai pas un truc contre le froid. Parce que là, je t'avoue que... Je me fais cartonner à chaque fois.
Putain. Il va me refaire son Kamehameha. Je prends cher avec ça quand même. Change pas tes patterns, putain de fils de pub. Ok. Allez, je l'ai eu. Bon, trois trails quand même, hein. J'ai tué le mort. Mon devoir est accompli. La liberté gagnée. Roi Darius, je sais ce que vous avez vécu avec Varam. Je sais le crime qu'a commis Tomiris. Sauve ce monde, sauve mon fils. Comment le sauver ? Que les dieux aient pitié de votre âme, roi Darius. C'est ça. La clé des rois. Bon. La clé des rois qui va sûrement ouvrir cette porte. Y a rien là. Non. Y a rien. Bon, la clé des rois maintenant. Tac, 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 ici. Oh, il faut que je retourne. Il faut que j'arrive ici en fait. Je vais regarder si je peux passer par là, tiens. La porte va sûrement s'ouvrir là, non? J'ai tué le roi.
Du coup, j'ai un TP ici. Est-ce qu'il serait pas plus simple de... Parce que j'ai pas envie de me retaper tout ça. Quoique. Bon, maintenant j'ai les pouvoirs, ça va peut-être aller. Est-ce que mon... Le problème, c'est que si je meurs, comme dirait l'autre. Ah non, c'est. Pardon. Sargon, Excuse-moi. t'es dévoré par la malédiction qui règne ici. Ce n'est pas ça, Neith. Ce sont les pouvoirs. Ils ne sont pas destinés aux simples mortels. Des cadeaux empoisonnés. Tu devrais t'en débarrasser. Non. Je n'ai pas le choix. Sans eux, je ne pourrai jamais affronter Varam. C'est le seul moyen. Je viens de comprendre une chose. Les autres Sargons, ils ont suivi ce même chemin. Ok, je peux lui reparler? Je n'ai pas le choix. J'ai eu chaud. Est-ce que je peux monter du coup? Attends. Bon là j'ai un truc mais... Tu parles toujours du chemin. Quel est le mien? Les chemins de vie sont comme le cyprès sacré d'Abarku. Un seul tronc, une seule vie t'a mené jusqu'à ce lever de soleil. Cette partie de ton chemin est déjà toute tracée. Mais 1000 branches s'offrent à toi maintenant. Et sur chaque branche, 1000 fruits. Et dans une de ces graines sera ton chemin. Alors là maintenant. C'est ici, mais ici j'y arrive pas en fait à monter. Si? Oh si, c'est simple en fait. Ah non, c'est pas simple. Aïe 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 aïe. Au secours, Où je dois aller là en fait? Je dois aller là, hein. On est d'accord, hein. Paniquer. Mais va te faire foutre! Ok, bon, j'y comprends que dalle. Va te faire foutre. J'ai pas besoin de l'aide. Tu me fais chier.
Non. Dégage. Putain, ta mère la pute. Voilà, il me faut un... Bah tiens. Je pouvais pas rêver pire. Attends. Ok. Alors attends, hein. Parce que là, je sais qu'il y a un truc à faire ici. Je l'ai déjà fait ça, je crois. Ouais. Je crois. Là, je t'avoue que... Je veux juste avancer un peu. Bon. Alors, ça donne quoi? Allez, quelques étirements. Et c'est parti. Toi au moins, Sargon, tu n'as pas besoin de l'aide de Neit et Artaban pour arriver ici. Et ouais. C'est ici, au sommet du mont Kaf, que tout va se jouer. Ah ben on est à la fin là. Sachant ce que cherche Varam, il doit déjà être dans le temple de la divination. Je dois l'arrêter avant qu'il ne trouve le cœur du Simorgue. Ce genre de pouvoir entre les mauvaises mains pourrait détruire la Perse. Les plumes du Simorgue. J'en ai trouvé. Je sais bien qu'elles ne sont pas pour des personnes comme moi. Ton sang a bien peu d'importance. Ce sont tes actions qui comptent. Regarde ce que Varam est devenu malgré son sang. Tu dois le vaincre, Sargon. Oui. Peut-être, mais je vais d'abord essayer de le sauver. Il est possible que ce soit la dernière fois qu'on se parle. Sargon, la bravoure est ce qui fait de nous des immortels. Le destin de la Perse est entre tes mains. Ok. Let's go. Alors, je ne sais pas pour les quêtes secondaires comment les terminer. Parce qu'il y a certaines quêtes comment dire, je retrouve pas les personnages. Comme là, je récupère tous les... Les pièces des soldats battus, mais
Le reste après, je t'avoue que... Nice. Oh le petit filou. Ouais, c'est quoi cet accueil là? Bon, en même temps, mais... pas un petit secret ici, non? Nope. Allez, viens te battre. Oh, toi, rien à foutre. Rien à foutre. Cassez-vous. Oh. C'est pas un accueil chaleureux, hein, on va dire. Non mais... Tu vas crever, ouais. Ouais, c'est tout des étapes en fait. Ah, moi je cours, hein, je m'en fous. Putain, j'ai 6000. Je vais quand même aller chercher une petite petite amélioration, non? C'est où le... Attends. Bah, le refuge. C'est ça? Je suis perdu. Bon, je vais aller voir si je peux acheter des 2-3 trucs là parce que. Bon, elle me vend plus rien. Bonjour. Amélioration, j'ai tout. Elle, elle a rien à me dire. Donc je vais aller voir. Là ici, mais là ici pareil, hein, j'ai rien de l'arc, mais pff. Bienvenue. Souhaites-tu... En vrai, j'ai rien d'autre à améliorer. Hein. Mis à part l'arc. Allez, on va faire l'arc, voilà. Ok, bon bah écoute, je vais rester avec mes... C'était où déjà? C'était là. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui?
donné la clé du palais. Alors tu peux entrer dans le temple de la divination. Tu es prêt à m'affronter? Je veux dire, le moi qui a perdu le contrôle. Tu t'es vu adulte? Je sais juste qu'il est là. Et je veux pas finir comme lui. Sargon, tu es toujours mon ami, non? Il doit y avoir un moyen de le sauver. Je trouverai. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne... Allez. Voyons voir ce que ça donne. J'ai trop souffert pour encore accorder ma confiance au Cymorg. Je ne veux plus croire en un dieu si cruel. Le cœur du Cymorg. Nos pouvoirs réunis en un seul. Imagine le bien que nous pourrions faire pour l'humanité. Varam, aucun humain n'est fait pour exercer un tel pouvoir. Je ne suis pas un simple mortel. Je suis le premier immortel. Sargon, essaye de comprendre. Les pouvoirs du Cymorg m'ont montré l'avenir. J'ai vu notre royaume englouti dans les flammes. Notre peuple souffrant injustement. La Perse qui disparaissait, corrompue de l'intérieur. Nous pouvons tout arrêter, Sargon. Nous pouvons bâtir un monde libéré de la tromperie, des mensonges, de la faiblesse des hommes. Aide-moi à sauver la Perse. Donne-moi des pouvoirs. Non. 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 Ah. Il va se transformer en super guerrier. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis le temps et l'espace. Je suis la création. Et je créerai un nouvel empire parfait. Varam, non ! Tu aurais dû me rejoindre, Sargon. Il va se transformer en Cymorg ou un truc comme ça, non? Bon, bah... C'est tout cassé. Il a cassé le temps. Varam a tout détruit. Le mont Kaf, Persépolis, plus rien n'existe. Ni les immortels, ni personne. Seul reste le néant. Puissant Cymorg, toi qui m'as si souvent redonné vie, encore et encore, pourquoi m'avoir choisi moi plutôt que les autres? Je ne suis pas sûr de comprendre. Ils sont toujours avec moi. Je n'arrive pas à les vaincre. Et si c'était trop tard? Je n'existe plus, de toute façon. Je n'ai pas pu arrêter Varam.
Svaram n'est pas mon ennemi. Je peux encore le sauver. Oula. La croisée des temps, carte indisponible. Okay, je pense pas qu'il y aura de piège dans cette partie-là du jeu. Falloir, voilà, grimper. Alors, est-ce qu'on finit sur cette session? Oh putain, Super Saiyan. What the Dieu? Tu vas être le premier témoin de la naissance du nouveau monde, Sargon. Ok. Varam, tu te trompes. Il est en... Le monde que tu as en tête ne peut exister. Je suis le seul et l'unique. Le créateur. Le nouveau monde ne se discute pas. Il s'impose simplement à tous. Ok. Ouais, à mon avis. Au nom de la création. Sois témoin de ma force. Trop facile là, c'est pas possible. Il y a une couille dans le potage. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Parfait maintenant. Wow. Sacré. Okay.
Je suis l'égal d'un dieu. Mange. Combien de phases là? Il y a combien de phases? Tu ne fais que résister à l'inévitable. Non, c'est mon chemin. Le seul possible. Putain, j'ai pas eu le temps. Je vais devoir me retaper les trois phases, putain. Sois témoin de ma force. Ok. Deuxième phase. Pour l'instant, j'ai utilisé une potion, donc ça va. Tu ne peux pas vaincre un dieu, Sargon. Et je ne vais pas non plus te rejoindre. Ceci est mon devoir sacré. Bientôt le monde renaîtra au nom de la création. Ok, troisième phase. Il me reste une fiole. Ça va être compliqué, hein. Tu ne fais que résister. Attends, mais là, ils sont pas deux, là. Hein. Non, c'est mon chemin. Mmh. Le seul possible. Thank you.
Ah, il va être galère celui-là. Putain. Faudrait déjà que sur la première phase, je ne perde pas de... Ok. Quoi, là ? Ok. Mon pouvoir et ma raison d'être. On va y arriver, hein. Celui-là, je sais pas comment faire. Je suis l'égal d'un dieu. Tiens, mange. Bon, pour l'instant, sur la première phase, j'ai pas utilisé de fiole, donc ça va. Tu ne peux. Un empire parfait m'attend. C'est pareil, c'est chiant. Ok, on est pas mal là. On est pas mal. Il va falloir que je fasse attention. Tu ne fais que STM.
c'est bon là, il n'y a pas de troisième. Putain, quatrième phase, vous êtes sérieux les gars? Eh, vous avez craqué, hein. Mes pouvoirs, tu as pris mes pouvoirs. C'est pas terminé tant que la cloche n'a pas sonné. Non. Je suis là pour te protéger de toi-même. Super Saiyan. Ah mais j'ai plus de vie moi. Allez, tiens, mange, fils de pute. Bon, là, c'est la fin, là, les gars. Hein. Ah, attention, Super Saiyan. Kamehameha. Apprends à naviguer dans la tempête, gamin. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Ce sont tes actions qui comptent. Dans ce cas, j'aimerais être Kamehameha. Allez, ça dégage. Cette tête qu'il a fait. Excellent. Ah là 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 là. Yes, oui, le plus fort. Tu es doué, petit, très doué, mais tant que je serai dans le métier, tu resteras que le second. Tu avais raison, Sargon. Eh ouais. Du Simorgue ne sont pas les nôtres. C'est terminé. Puisses-tu porter les graines d'espoir à toute la Perse? Varam, non! J'ai tout réparé. Thank you.
Sale pute. Voilà le prince Hassan. Les immortels ont réussi leur mission. Que se passe-t-il ? L'histoire se souviendra de toi. Puissent nos chemins se recroiser. Oups. Votre Majesté ? Plus maintenant. Sargon, tu nous reviens avec le Simorgue. Un triomphe digne d'un roi. Je n'ai pas besoin de louanges. Mes épées servaient la couronne. Mais au mont Kaf, elles se sont salies pour la vérité. Orod, Menolias, Radjen, Anaïta, Varam. Tous morts à présent. C'était le prix à payer pour assurer ma lignée. Il y a 30 ans, le roi Darius a été assassiné. Je vous laisse confesser cette histoire. Sargon. Sargon ! On veut la vérité ! Faut prendre la plume. Ouais, j'ai pas compris le clin d'œil, mais bon. C'est transformé en oiseau. Et ben ça y est. Terminé ce Prince of Persia. Je fais une petite synthèse rapide. Pas un test hein, parce que j'ai pas la prétention de faire des tests de ouf. C'est mon ressenti personnel, franchement. Bon, c'est comme dans tout, hein, y a du bon, il y a du moins bon. Le moins bon, c'est au niveau de la difficulté, il y a des gaps de difficulté en fait incroyables. Mais en vrai, le jeu n'est pas si dur que ça. Y a des moments où tu t'acharnes, c'est plus au niveau des plateformes, en fait. Y a des moments où c'est assez compliqué, le jeu de plateforme. Mais franchement, c'est un plaisir de le faire. Surtout ce système de Metroidvania, là. C'était sympa. Vraiment sympa. Après voilà, graphiquement on s'attendait pas à une claque monumentale, mais j'aimais bien le chara-design qu'ils ont donné au personnage. Bon, l'histoire en elle, enfin c'est pas non plus l'histoire du siècle, hein, on va pas se mentir, mais voilà, ça suit son cours, c'est pas mal, c'est tu le sens venir en fait, qui est le méchant, qui est le gentil, enfin tu vois, tu le vois arriver direct, hein, et non, franchement, sinon, très bon jeu. Très bon jeu. Donc, si vous ne l'avez pas fait, bah, n'hésitez pas. Faites-le. Et bah, vous verrez. Hein, l'expérience est sympa. Je vous le conseille. Bon, je vous conseille, pour ceux qui ne sont pas habitués, de le mettre en facile. Parce que même en normal, on galère quand même. Hein, sur les boss, sur les bobs, les mini-bobs. Franchement. Mais. Belle expérience à faire. Belle expérience à faire. Donc, à venir sur la chaîne, prochain let's play. Et gros let's play.
Bah ce sera FF7 Rebirth qu'on attend avec impatience. Pour rappel, il sort le 29 février. Et j'ai hâte. Je suis en train de me demander si je vais pas le précommander pour avoir pour l'avoir en avance. Je vais voir. Je vais voir ça. Et puis bah sinon bah j'espère que ce let's play vous a plu. Et moi, en attendant, on va faire défilement rapide pour les crédits. Et on va regarder ce que ça donne. S'il y a une New Game Plus ou si, si on peut continuer de fouiller pour faire le 100%. On verra. Même si je suis pas un féru des trophées platine. Hein. Pour que je platine un jeu, il faut vraiment que le jeu me mette une claque en fait dans tous les points. Et les seuls que j'ai platiné, il y a eu Kena que j'avais pris un pied monstrueux avec. Il y avait eu Ghost of Tsushima. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai platiné d'autre? Je sais plus après. Je sais plus. Enfin bref quoi. Je suis pas un pro des platines en fait. Ah ouais, Sonic Frontier, je l'ai platiné aussi, tiens. C'est marrant ça. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, il n'y aura pas de stream cette semaine. Je suis en vacances, donc prendre un peu de recul sur les jeux vidéo. On reviendra ouais, le 29. Enfin pas le 29, mais on reviendra peut-être avant en stream. Hein, mais, j'ai encore Last of Us Remaster à faire. Même si en vrai. Je le connais par cœur, donc The Last of Us 2. C'est juste par plaisir de le refaire. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à finir déjà? Bah plus grand chose. Hein. Punaise, les crédits.
Ça y est. Bon. On peut pas couper complètement. Non, on ne peut pas couper. Bon bah. Ah, ça se termine, on a les copyrights. Moi, je veux juste voir si je peux reprendre. Bon, après, je vous avoue que au niveau des trophées, je compte pas le 100%, je compte pas le faire, hein, je vous le dis. C'est juste que j'aime bien voir. 17. Ah, bah voilà! Ne t'en fais pas. Je ferai de mon mieux pour Varam. Fallait attendre pour avoir une pause crédit. Ok, merci beaucoup d'avoir joué. Nanana. Chargez votre fichier de sauvegarde pour poursuivre votre exploration et finir de résoudre tous les mystères. Ok. Et donc. On a mis exactement 23 heures pour le finir. 23 heures. Bon, ça va, hein, c'est pas. On a fait 69% de tout le jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok, donc là, normalement, on n'a plus d'objectif, tout à fait, voilà. Et on peut éventuellement maintenant se balader pour finir
toutes les quêtes annexes et tout ce qu'il y a à faire. Ok, ça me va. J'ai plus grand chose à découvrir. Hein. J'ai toujours ici que c'est pas ouvert. Tiens, on va aller voir là, tiens, regarde. On va aller voir là direct. On va se mettre au refuge. Le refuge, il est où? Parce que j'ai récupéré pas mal de petites... c'est où déjà? Tac, 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 il faut que j'aille là, ici et ici. Et je vais aller voir là, tiens, en même temps. Tant qu'à faire, on y est. Hop. Eh ben, il m'en manque beaucoup quand même. Il m'en manque beaucoup. Quête mise à jour. Ok. La lecture, un destin, nanana, toujours pareil. Il nous en manque pas mal, j'ai l'impression. Bref, je vais aller voir là-bas si je peux y aller, ou si je peux aller me faire foutre, comme dirait l'autre. Alors là, je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Ah, peut-être par là. Attends, tu sais quoi? Je vais aller voir. Vite fait, on a 2 minutes. C'est où? C'est là, ici. Je prends l'ascenseur. Il y a ma suite en B. Hop. Je prends l'ascenseur. Ou pas même. J'ai envie de dire. Je suis pas obligé. Ah si, je suis obligé. Du coup, je vais peut-être pouvoir monter, c'est peut-être ça en fait. J'avais pas fait ça. Ah non, putain, la galère, c'est vrai. Ah bah tiens, regarde. Hop. Ça commence déjà à me casser les couilles, tu vois. C'est pour ça que j'avais arrêté en fait.
What the fuck? Oh! Ah, la pute de sa mère, hein. Sérieux. Hein. Un décalage sur la droite. Ok, c'est bien. C'est extrêmement chiant, hein, je vous le dis. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible là, attends. Non! Ah, j'en ai marre, excusez-moi. Pas assez, ça me saoule, ça me casse les couilles ce jeu. En fait, faut connaître par cœur le pattern des trucs. Ok, bah voilà, encore un coup, je me suis planté. Putain, ça me saoule. On prépare. Là, là, ok. On va remettre un autre. Tout de suite. Comme ça. Là. Ah, merde, putain, nique ta mère en fait. Nique ta mère le jeu. Tu me gaves. Mais tu me gaves, mais sérieusement. Je reste là.
Mais t'es sérieux? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais là c'est abusé quand même, non? Là c'est abusé. J'avais préparé normalement, non? On est d'accord. Oh putain. Bon allez, dernière fois, puis après bah voilà, comme d'hab, j'arrête. De toute façon là on va pas tarder à s'arrêter parce que ça va faire une vidéo trop longue. Je comprends pas en fait hein, pourquoi je... Bon bref. Voilà, on va se quitter là-dessus. Et bon, on se retrouve plus tard. Moi, je vous dis ciao.